Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à vous ici au plateau de Pacemaker, dans le cadre de notre émission La médecine pour tous. Une émission qui a été conçue pour vous, une émission qui a été conçue pour la santé. Conçue pour vous informer des connaissances de la médecine, dans le but de vous éloigner de l'ignorance et de promouvoir la santé. La santé n'a pas de prix, comme on le sait. Alors il nous faut un comportement approprié pour pouvoir garder cette santé. C'est pour ça qu'existe cette émission, pour vous informer, pour vous aider, et ramener les connaissances de la médecine un peu plus bas pour que tout le monde comprenne au moins quelque chose sur la santé. Vous êtes étudiant en médecine, je vous conseille de suivre cette émission. Vous n'êtes pas étudiant en médecine, vous sortirez au moins d'une connaissance provenant de cette émission. Nous allons recevoir plusieurs invités qui vont nous venir de partout, des médecins stagiaires, des médecins et des spécialistes. Et ils vont parler de plusieurs points, les diabètes sucrés, plusieurs points qui dérangent les maladies, qui dérangent la population congolaise aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. C'est un médecin stagiaire de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo. Un des poussins de sa génération. Il a fait des exploits durant son cursus académique. Nous allons le connaître juste maintenant. Il va nous parler d'un point très important, d'une maladie qui circule aussi dans la population congolaise et aussi en Afrique, même dans le monde entier. Je l'accueille directement et je lui dis bonjour donc, monsieur Augustin. Bonjour, monsieur Mardoché Capita. Comment vous allez? Je me porte à merveille. Voilà, monsieur Augustin. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans notre émission ici, La médecine pour tous. Êtes-vous aussi dans la joie d'être parmi nous? C'est un réel plaisir de partager avec vous ce même plateau. Autant plus que c'est une émission qui parle de la santé. Lorsque nous regardons la presse, la télé congolaise, on peut constater qu'il y a moins des émissions qui font la promotion de la santé. Et c'est retrouvé dans cette émission qui a borde la thématique de leur santé, c'est une joie énorme pour nous. Donc je suis ravi d'être là cet après-midi. Voilà. Monsieur Augustin, derrière cette télévision, il y a des familles qui sont en train de nous suivre. Il y a différentes personnes de plusieurs niveaux de vie. Ils veulent connaître et apprendre de la santé. Alors, nous avons choisi un sujet qui est l'AVC, que nous voulons partager avec vous. Que pensez-vous d'abord de notre sujet par rapport à la population congolaise? Je pense que le sujet AVC, comme on l'a dit à la population, c'est un sujet qui est très important. Ça reste un problème majeur de la santé publique. Au nombre de personnes qui sont atteintes des AVC, lorsque vous essayez de circuler dans nos hôpitaux, vous remarquerez que la pathologie la plus fréquente et qui pose un problème dans la prise en charge, c'est les AVC. Et c'est une maladie qui n'est pas... incurable, on peut prendre cela en charge et comme on l'a dit, la meilleure médecine, c'est la médecine préventive et nous pensons qu'au travers de cette émission, la population sera sensibilisée pour savoir comment se prévenir de cette maladie qui est les AVC. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et si nous pouvons directement commencer par curiosité, essayer d'abord de savoir c'est quoi l'AVC parce que en fait, on entend AVC, on veut un peu savoir en détail qu'est-ce que c'est l'AVC. Voilà, lorsqu'on dit AVC, voilà. C'est un acronyme qui veut dire accident vasculaire cérébral. Mais par définition, c'est quoi un AVC? L'AVC est défini comme étant un déficit neurologique des survenues brutales d'origine vasculaire. C'est-à-dire vous avez un patient, une personne qui, de façon brutale, il présente un déficit neurologique. C'est-à-dire il y a une partie de son corps qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'une zone du cerveau a été endommagée. Pourquoi cela a été endommagé? C'est parce qu'il y a un problème au niveau de vaisseau qui amène le sang vers le cerveau. Soit il y a une rupture de vaisseau cérébral, soit il y a un obstacle au niveau du vaisseau cérébral. C'est ça ce qu'on appelle un AVC. Donc c'est un déficit neurologique focal brutal d'origine vasculaire. Donc si nous pouvons comprendre, c'est que l'AVC c'est un problème, une maladie qui touche les systèmes nerveux centraux du corps humain. Exactement. L'AVC, c'est une maladie qui touche le système nerveux central. Ok. Maintenant, notre population veut un peu savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent savoir sur l'AVC. C'est quoi leur intérêt dans tout ça? L'intérêt du sujet, si nous devons parler sur les AVC, c'est que, en se basant sur les données épidémiologiques de la France que nous possédons, 130 000 habitants chez les Français en France sont atteints des AVC. Donc par année, on comptabilise 130 000 habitants. Et dans ces 130 000 habitants, vous avez 40 000 individus
qui vont développer par la suite un déficit moteur, c'est-à-dire un handicap physique. Voilà la raison pour laquelle c'est important de parler des AVC, parce que je suis médecin stagiaire à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Lorsque vous arrivez dans les services des soins intensifs, si vous avez 20 patients aux soins intensifs, dites-le vous que vous aurez 15 patients qui sont admis aux soins intensifs pour cause des AVC. Et nous croyons que c'est important de parler sur les AVC. Ok, je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Augustin. Mais quelles sont les causes des AVC? Pourquoi est-ce que le cerveau peut être endommagé? Quelles sont les causes qui peuvent, les facteurs qui peuvent faire en sorte que le cerveau humain soit endommagé? On dit qu'il n'y a pas de cause des AVC. Il n'y a que le facteur du risque d'AVC. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui favorisent la survenue d'un AVC. Classiquement, on distingue deux types d'AVC. On a ce qu'on appelle les AVC qui sont hémorragiques, c'est-à-dire une artère qui apporte le sang vers le parenchyme cérébral et rupturé, ce qui fait qu'il y a une déviation du sang. Donc, les tuyaux qui amènent le sang vers le cerveau, c'est rupturé. Comme conséquence, on a une déviation du sang. Ça, c'est le premier type d'AVC qui est l'AVC hémorragique. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'AVC ischémique. Dans l'AVC ischémique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un caillot qui s'est formé au niveau d'une artère cérébrale et empêche que le sang arrive vers le cerveau. Ces caillots-là peuvent être formés au niveau de l'artère cérébrale, donc c'est un processus athéromaté, ou ça peut être un embol, un caillot qui s'est déplacé, ça vient d'ailleurs et ça vient obstruer l'artère cérébrale. Donc pour résumer, le facteur de risque des AVC, c'est tout ce qui peut favoriser la rupture d'une artère cérébrale, notamment il y a l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est un facteur majeur de risque de présenter un accident vasculaire cérébral. Hormis l'hypertension artérielle, on note également le maladie athéromatèse. Dans les maladies athéromatèses, on peut incriminer par exemple la dyslipidémie, l'obésité par exemple. On peut le voir avec notre alimentation. Vous voyez qu'on a adopté une alimentation qui est occidentale, européenne. Cette alimentation est riche en graisse, c'est riche en lipides. Ce qui fait que nous courons le risque d'avoir beaucoup plus de lipides dans le vaisseau sanguin. Ces lipides peuvent se déposer au niveau des artères et être à la base de la formation des caillots. Et ces caillots peuvent obstruer la lumière d'une artère cérébrale et être à la base d'un accident vasculaire et cérébral. Donc, on écrémine l'AVC et on écrémine le facteur de risque de maladie athéromatèse. Ok, donc c'est beaucoup dit, vraiment, c'est beaucoup dit. Et puis, je pense que c'est vraiment trop important tout ce que vous avez dit. Je pense que la population est en train de comprendre de la même manière que moi aussi, je suis en train de comprendre. Mais sinon, il y a une question qui me vient en tête, monsieur Augustin. On dit que les AVC sont souvent les maladies des gens qui ont un peu plus de moyens. Mais à l'ancien temps, on disait que ce sont des vieux qui souffrent des AVC. Mais aujourd'hui, on retrouve aussi des jeunes Congolais ou Africains qui souffrent de cette maladie. Et on voit des jeunes hommes, un jeune garçon de 18 ans, 20 ans, mais qui atteint un AVC. Comment pouvez-vous expliquer cette situation? Voilà, comme nous l'avons dit, c'est que dans les AVC, on a deux types d'AVC. On a l'AVC hémorragique et puis l'AVC ischémique. Lorsque vous prenez par exemple l'AVC hémorragique, nous avons cité le premier facteur, c'est l'hypertension artérielle. Vous voyez, l'hypertension artérielle. Or, l'hypertension artérielle peut avoir une cause qui peut être primaire ou ça peut être secondaire. Secondaire à autre pathologie donnée. Et parmi les facteurs qui incriminent ou soit qui sont incriminés dans la survenue de l'hypertension artérielle, il y a une mauvaise alimentation. Vous voyez ça? Lorsque l'alimentation elle n'est pas bonne, on court les risques de développer l'hypertension artérielle. Et comme nous l'avons dit, c'est que nous sommes en train de remarquer que les populations africaines ont adopté une alimentation qui est d'ailleurs. Et cette alimentation, c'est une alimentation qui expose à l'hypertension artérielle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un pour aller acheter la nourriture au supermarché, voilà, on s'est dit c'est de l'X. Alors que c'est une alimentation qui vous expose à développer l'hypertension artérielle et plus tard développer un accident vasculaire cérébral. À cela s'ajoute des stress qui peut également vous exposer à développer l'hypertension artérielle et vous exposer à l'AVC hémorragique. On peut également citer certaines pathologies qui sont malformatives. Quand vous voyez par exemple un jeune qui fait un AVC, il faut beaucoup réfléchir. Ça peut être une malformation. Et cette malformation, c'est beaucoup plus des anévrismes. Il y a une malformation vasculaire qui peut se rupturer et donner un tableau de l'AVC hémorragique.
Et pour ceux qui ont des AVC ischémiques, c'est beaucoup plus ça, notre problème dans l'alimentation qui pose problème. L'inactivité physique, ça vous expose à développer des maladies athéromatéises qui, dont on peut voir un AVC ischémique. D'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Augustin. Nos chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers Evi Télévision, de chez vous à la maison, il faut donc revoir votre façon de manger, votre alimentation, car cela, comme l'a dit le médecin stagiaire, cela peut être un facteur de risque pour l'AVC. Alors, médecin stagiaire Augustin, vous avez dit au départ que l'AVC est une maladie cérébrale. Mais quand nous voyons des personnes présentant l'AVC dans la cité, nous voyons donc des problèmes au niveau de leurs membres, ils n'arrivent plus à bouger, soit ils n'arrivent plus à marcher, soit ils ne marchent plus bien, ils ne mangent même pas, ils n'arrivent pas à bouger ses mains et tout. Donc, quels sont en fait les symptômes pour connaître que ces patients ici est en train de faire un AVC? Comment faire pour reconnaître un patient qui est en train de faire l'AVC? Comme nous l'avons dit déjà au départ, c'est que l'AVC, c'est un déficit neurologique. Il y a une zone du cerveau qui ne marche plus ou qui ne fonctionne plus. Alors, il faut les reconnaître que notre organisme, tout de nous, est contrôlé au niveau du système nerveux central. C'est-à-dire le tableau clinique de l'AVC est polymorphe. Les symptômes que présentent les patients ou la personne qui a fait un accident vasculaire cérébral dépendent de la zone qui est touchée. Si par exemple c'est la zone qui s'occupe de la motricité, c'est-à-dire bouger, soulever un membre, faire le mouvement, ça sera cette partie du corps qui sera déficitaire. Si par exemple c'est la zone qui s'occupe de la sensibilité, notre façon par exemple d'écouter, de comprendre le langage, ça sera également cette fonction qui va être perturbée. C'est-à-dire les symptômes ou les tableaux cliniques de l'AVC dépendent de la zone qui est touchée. Mais il y a une façon où on peut reconnaître de façon rapide un patient qui est en train de faire un AVC. Il y a un moyen acronyme. En anglais, on parle de FAST. FAST, c'est rapide en anglais. Et en français, on dit vite. Vous avez quatre lettres. Vous avez V, I, T, E, le E. Le V, c'est le visage. Lorsque vous êtes à la maison, tu peux reconnaître un AVC seulement en regardant le visage de ton frère ou de la personne qui a fait un AVC. Vous allez remarquer que son visage ne sera plus le même. Vous pouvez lui demander, est-ce que tu peux sourire un peu? Lorsqu'il cherche à sourire, vous allez remarquer qu'il y aura une déviation de la bouche. C'est un signe qui est en train de traduire qu'il y a un accident vasculaire cérébral. Et après, vous avez les I. I, c'est l'impossibilité pour la personne de soulever ou de soulever le membre. Vous pouvez lui demander, par exemple, de soulever sa main. Il aura du mal à soulever son membre. C'est également l'un des signes qu'on peut reconnaître que la personne est en train de faire un AVC. Et vous avez le T, T qui correspond au trouble de la parole. Quand il fait un AVC, vous pouvez lui demander de parler. Et il ne saura pas parler, il va présenter une dysarthrie. Donc il aura une aphasie, il ne sait pas articuler le phrase. Et vous avez le E qui est l'extrême urgence. Lorsque vous remarquez que vous avez un problème au niveau du visage, vous avez un problème de soulever votre membre, vous avez un problème de parler, il faut déjà amener la personne dans un centre hospitalier tout près pour une meilleure prise en charge. Bien évidemment, la prise en charge d'un patient qui a fait un AVC doit être faite dans une unité de neurochirurgie. Voilà. Vous avez dit V, visage, I. I, c'est l'impossibilité de soulever le membre. T'es le trouble de la parole. Trouble de la parole. Et c'est l'extrême urgence. Quand vous avez ces signes-là, ne retardez pas. Prenez la personne et l'amenez dans un milieu hospitalier. D'accord, merci beaucoup, médecin stagiaire. En tout cas, ce sont vraiment des points très trop importants que vous êtes en train de donner, qui va beaucoup aider la population congolaise. Mais docteur, comment prendre en charge alors un patient qui fait l'AVC? La prise en charge d'un patient qui a fait un AVC dépend de la phase où vous vous retrouvez. Vous voyez, la prise en charge dépend de la phase. Ça dépend que selon que vous êtes dans la phase hyper aiguë, dans la phase aiguë, dans la phase cible aiguë ou dans la phase chronique de l'AVC. Mais dans tout ça, la meilleure prise en charge ou le meilleur traitement de l'AVC, c'est un traitement qui est préventif. C'est la prévention. Et la prévention de l'AVC, on a une prévention qui est primaire, une prévention qui est secondaire et une prévention qui est tertiaire. La prévention primaire consiste à éviter que l'individu fasse un accident vasculaire cérébral. Et cette prévention passe via le mesure hygiénodiététique, par les conditions de vie, le mode de vie.
Nous encourageons ici l'activité physique. Si vous ne voulez pas développer un accident vasculaire cérébral, nous vous encourageons d'être actif. Parce que plus vous travaillez, vous exercez, vous allez brûler les graisses. Et quand vous brûlez les graisses, vous allez protéger vos vaisseaux contre les maladies comme l'hypertension artérielle, comme l'athérosclérose qui sont incriminées dans l'AVC. Nous encourageons également une alimentation qui est riche en lipides, plutôt une alimentation qui est riche en légumes et en fruits, au détriment d'une alimentation qui est riche en graisse. Vous voyez ça? Ça, c'est une prévention qui est primaire. Et prendre en charge également toute pathologie susceptible de voler vers un tableau de l'AVC. Et dans la prévention secondaire, ici, c'est une prévention où la personne a déjà fait un AVC, mais on ne veut pas que, qu'il y ait des complications ou des conséquences morbides. Ça, c'est la prévention secondaire. Et dans cette prévention secondaire, c'est là où on parle sur la reconnaissance assez vite d'un sujet qui a fait un AVC. Déjà, dans les milieux extra-hospitaliers, vous devez commencer déjà la prise en charge en reconnaissant que ça, c'est un AVC et en amenant les patients dans le milieu hospitalier. Et lorsque les malades arrivent dans le milieu hospitalier, la prise en charge de l'AVC, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Il n'y a pas un seul domaine qui prend en charge. Il faut réunir beaucoup de spécialistes pour prendre en charge un patient qui a fait un AVC. Et les patients doivent être hospitalisés dans une unité neurovasculaire. C'est là où les patients doivent être hospitalisés, dans une unité de neurologie. Et dans cette unité de neurologie, on va commencer la prise en charge. Si c'est un AVC qui est ischémique, le traitement, c'est la thrombolyse. Donc, il y a des médicaments qu'on donne pour liser les caillots qui est en train d'obstruer le passage au sang. On va faire la thrombolyse. Mais cette thrombolyse, elle dépend d'un score qu'on calcule, le score de Nice. Lorsque vous avez le score de Nice qui est entre 5 à 20, on va faire la thrombolyse. Mais aussi, si la personne est arrivée avant 4 heures, on peut faire la thrombolyse. Mais dépasser 4 heures du temps, on ne fait plus la thrombolyse. Là, on va donner aux patients les anti-agrapaquetaires. Donc, on va donner l'aspirine junior. L'aspirine junior. Si c'est un patient qui a fait un AVC qui est hémorragique, le traitement, c'est un traitement qui va se baser sur le contrôle de la pression artérielle. Il faut donner les anti-hypertenseurs pour abaisser sa pression artérielle dans la limite de l'autorégulation cérébrale. C'est autour de 140 mm de mercure qu'on doit faire descendre la pression artérielle. Hormis ces mesures-là, il faut également prendre en charge ce qu'on appelle les AXOS. Les AXOS, ce sont les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. C'est-à-dire, un patient qui fait un AVC, vous devez regarder, est-ce que ces patients s'attirent bien ou pas? Évaluer sa saturation. Si elle ne s'attire pas bien, vous devez apporter l'oxygène à ses patients. Vous devez contrôler la glycémie de votre patient. Est-ce que la glycémie, elle est bonne ou pas? Si elle est en hyperglycémie, parce que l'AVC, c'est une pathologie aiguë qui peut occasionner la libération des catécholamines et être à la base de l'hyperglycémie. Donc, si un patient, s'il fait une hyperglycémie, il faut donner de l'insuline. Pas les ados, mais vous donnez l'insuline. S'il est en hypoglycémie, vous devez corriger cette hypoglycémie. Vous devez également regarder la température de votre patient. Est-ce qu'il est en train de faire la fièvre ou il ne fait pas la fièvre? S'il fait la fièvre, vous devez corriger cette fièvre-là parce que c'est un facteur de mauvais pronostic pour un patient qui est en train de faire un AVC. Vous devez également regarder les taux de l'hémoglobine. Est-ce que votre patient fait une anémie ou pas? S'il est en train de faire une anémie, l'anémie veut dire une diminution de l'hémoglobine. Or, l'hémoglobine est la protéine transportée de l'oxygène vers les cerveaux. Les cerveaux étant en souffrance, si votre patient fait une anémie, donc cette anémie sera encore un facteur de mauvais pronostic pour votre patient. Et donc, si vous avez un patient qui fait un AVC avec anémie, vous devez corriger l'anémie par une transfusion. Voilà comment s'est fait la prise en charge qui est secondaire. Et dans cette prise en charge, il faudrait également commencer très tôt la kinésithérapie. C'est également un point que beaucoup de centres hospitaliers ignorent. Quand vous avez un patient qui a fait un AVC, il est possible que ce patient ne développe aucun séquelle. Si vous commencez tôt avec la kinésithérapie et dans la prise en charge ou dans la prise en charge qui est tertiaire ou la prévention tertiaire, c'est là où on doit se baser sur l'utilisation des anti-agraplaquettaires, notamment l'aspirine junior que le patient doit prendre à vie. Voilà comment se fait la prise en charge des AVC. D'accord, merci beaucoup, médecin stagiaire. Je pense que c'est vraiment beaucoup plein de choses dites. Pour ceux qui sont dans le domaine de santé et pour les étudiants en médecine, je pense que ça vous aidera beaucoup. Mais nous, la population congolaise, nous retenons plus la prise en charge qui est primaire, la prise en charge préventive au fait. Parce que là, nous connaissons que si nous mangeons bien, si nous faisons le sport, nous sommes à l'abri des AVC. Parce qu'il y a une question que je me demandais, docteur.
les samedis, on voit souvent les papas du quartier venir dans les terrains de foot où les jeunes du quartier ont l'habitude de faire les sports, souvent descendre de leur voiture et faire du sport. Donc, si je comprends, ils ont cette notion-là préventive de vouloir un peu prévenir des AVC. C'est une très belle question parce que nous les remarquons. Mais vous serez un peu surpris ou étonné, c'est que le même papa qui font les sports les samedis, revenez le dimanche, c'est qu'ils font. C'est-à-dire le matin, il fait le sport, mais les soirs, il est en train de prendre de l'alcool, il prend de l'alcool. Vous voyez ça? Et quand ils prennent ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre beaucoup de triglycérides, ce sont des lipides, et ces lipides peuvent se déposer au niveau de vaisseau sanguin et obstruer le vaisseau sanguin, être à la base des AVC. Donc, ce que nous pouvons leur demander, c'est de faire les sports, mais de réduire un peu la consommation d'alcool parce que c'est également un facteur de risque pour des maladies cardiovasculaires. Ok, donc je comprends maintenant. Donc il libère moins et il consomme encore plus de lipides. Exactement, c'est ce qui se passe. Mais docteur, quelles seront alors les complications pour les personnes présentant l'AVC et qui n'ont pas pris une bonne prise en charge? Voilà, les complications pour un sujet qui a fait un AVC et dont le traitement a été retardé, c'est-à-dire la prise en charge n'a pas été précoce. Nous l'avons dit, la prise en charge des AVC doit commencer au lieu de l'accident, au lieu où la personne a fait son AVC. C'est là où ça doit commencer la prise en charge. C'est la raison pour laquelle nous passons sur le plateau de télévision pour sensibiliser la population en leur disant « c'est vous qui devez commencer la prise en charge ». Reconnaître un AVC et amener à l'hôpital. N'est pas tarder que la personne a fait un AVC et vous le gardez encore à la maison, ça ne sert à rien. Ramener la personne à l'hôpital. Et si la prise en charge n'est pas précoce, il y a beaucoup de complications. Notamment, nous l'avons dit à l'introduction, c'est que l'AVC est la première des causes. La première cause des handicaps non traumatiques. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui présentent des handicaps non traumatiques. La première des causes, c'est l'AVC. Donc, lorsque vous faites l'AVC et que la prise en charge n'est pas bien conduite, vous pouvez développer un handicap physique, vous pouvez en développer. Une des complications également quand des AVC, c'est que lorsque vous faites des AVC et que la prise en charge n'est pas bien prise en charge, vous avez ce qu'on appelle la démence vasculaire. La démence vasculaire, c'est-à-dire vous avez une diminution des fonctions cognitives. Parce que quand vous faites votre AVC, c'est-à-dire il y a une zone du cerveau qui n'est pas perfusée. Et les cerveaux, les cellules neuronales, ce sont des cellules qui consomment beaucoup d'oxygène. Ils ne supportent pas d'être privés en oxygène. Et lorsque vous les privez d'oxygène, ils vont se nécroser, être détruites. Et imaginez-vous que c'est cette zone qui s'occupe, par exemple, des fonctions de la réflexion. Et docteur, la conséquence, c'est que vous allez, mais c'est les journalistes plutôt, la conséquence, c'est que vous allez présenter des troubles cognitifs. C'est l'une des complications qu'on peut également présenter lorsqu'on a fait un AVC. Et d'autres complications des AVC, c'est qu'on peut également avoir la mort. Voilà, la mortalité. Lorsque la prise en charge n'est pas bien conduite, il y a également la mortalité. Et surtout lorsque vous avez un patient qui a fait un AVC hémorragique, c'est-à-dire il y a les sangs qui se retrouvent au niveau du cerveau, ça va entraîner ce qu'on appelle en médecine un engagement. Les structures cérébrales vont se déplacer. Et lorsqu'il se déplace, ça va commencer à comprimer des structures nobles, notamment pas avoir la compression du centre cardio-respiratoire, les centres qui nous permettent, tels que nous sommes là, de respirer et au cœur de travailler, de battre. Si ce centre-là est comprimé parce que vous avez fait un AVC et que la prise en charge n'a pas été bien faite, vous pouvez également présenter un arrêt cardio-respiratoire. Voilà des complications qu'un sujet qui a fait un AVC peut présenter. Donc, voilà, docteur, comme nous avons parlé de facteurs à risque et de cause, les facteurs à risque de présenter l'AVC, il y a aussi des sujets à risque de présenter l'AVC. Voilà, je pense que votre question cache déjà la réponse. Nous avons cité le facteur à risque de faire un AVC. Donc, c'est-à-dire, toute personne exposée à ces facteurs de risque est susceptible de développer un accident vasculaire cérébral. Et dans cette catégorie, on peut citer des sujets diabétiques. Quand vous avez un patient qui est diabétique, s'il ne suit pas son traitement, le traitement n'est pas bien conduit, un sujet diabétique court le risque de développer un accident vasculaire cérébral. Parce qu'avec le diabète sucré, avec l'hyperglycémie, vous avez une atteinte de la paroi vasculaire. Les glucoses entraînent des lésions au niveau de la paroi vasculaire. Et toute lésion au niveau de la paroi vasculaire, c'est un point de départ
pour les processus athéromaté. Donc, il peut y avoir la formation d'une plaque, qu'on appelle la plaque d'athérome, qui peut obstruer la lumière d'une artère censée apporter le sang vers le cerveau. Et cette artère est obstruée, vous aurez un déficit d'apport d'oxygène au niveau cérébral, ce qui va expliquer ce qu'on appelle un AVC ischémique. Donc, un sujet diabétique, c'est un sujet à risque de faire un AVC. Mais aussi les hypertendus. Quand vous êtes hypertendu, nous l'avons dit que l'hypertension artérielle, s'il n'est pas contrôlé par les antihypertenseurs, par les mesures hygiéno-diététiques, par la bonne hygiène de vie, vous pouvez également développer un accident vasculaire cérébral, un déficit neurologique. Pourquoi ? Parce que l'hypertension, plus la pression artérielle augmente au niveau vasculaire, plus il y a risque qu'il y ait une rupture au niveau de la paroi vasculaire. Et si la paroi vasculaire s'est rupturée, comme conséquence, le sang qui devait aller vers le cerveau n'ira plus vers le cerveau. Comme conséquence, ça va aller ailleurs, dans un autre milieu. Et vous devez également présenter un AVC. Donc les diabétiques, les hypertendus, ce sont des personnes à risque. Mais aussi des personnes qui sont porteuses de malformations vasculaires. Notamment des sujets qui ont ce qu'on appelle des anévrismes cérébraux. Vous avez une artère au niveau du cerveau qui n'est pas normal. Donc, il y a un sac anévrismal qui est formé par un déficit en termes de la lame élastique interne. C'est-à-dire, ces personnes-là peuvent également présenter un AVC. Ils sont à risque de présenter un AVC. Voilà, en gros, quelques sujets à risque de présenter un AVC. Bien évidemment, les obèses. Les personnes qui sont obèses également sont des sujets à risque de faire un accident vasculaire cérébral. Donc nous comprenons, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez chez vous à la maison, que si vous avez votre grand-mère ou grand-père ou même papa à la maison qui est diabétique, il faut souvent veiller sur lui parce que c'est déjà un sujet à risque de présenter l'AVC. Ou soit vous avez votre maman qui est hyper tendue, il faut aussi veiller sur lui. Parce que nous nous posons souvent cette question, il y a dans des familles où les parents sont peut-être hyper tendus et après un temps, ils présentent l'AVC. Quand il se met un peu à réfléchir et tout, il a un choc, il sent sa tension monter ou descendre. Et après un temps, on les voit présenter un risque d'AVC. Donc, c'était déjà parce qu'il était au préalable un sujet à risque de présenter l'AVC. Voilà. Comme nous l'avons dit, c'est que l'hypertension artérielle, lorsqu'elle s'entraîne à un AVC, souvent, c'est l'AVC hémorragique. Et on dit AVC hémorragique à coup hypertensif. C'est-à-dire, on a une élévation brusque des chiffres tensionnels, ce qui entraîne la rupture vasculaire. Et parmi les circonstances qui peuvent entraîner cette élévation brusque des chiffres tensionnels, il y a également les situations de stress. Vous voyez ça? Okay. On peut remarquer avec nos conditions de vie, la vie sociale n'est pas bonne et ça fait que les parents sont souvent soumis à des stress tellement extrêmes. Et face à cela, ils peuvent également présenter un pic tensionnel qui serait à la base d'un accident vasculaire cérébral. Dans la majorité des cas hémorragiques. D'accord, merci beaucoup docteur. Mais docteur, est-ce qu'il y a des sujets qui, vous, dans votre carrière, dans votre carrière médicale, il y a des sujets qui guérissent aussi de l'AVC? Parce que souvent dans les quartiers, nous voyons des personnes qui ont fait l'AVC, peut-être qu'ils ne parlent plus comme ils parlaient avant, ou soit ses membres ne fonctionnent plus toujours bien qu'il aille à suivre les traitements. Est-ce qu'on peut guérir de l'AVC comme ça et ne plus présenter aucun symptôme? Voilà, je pense que au nom de tous les scientifiques du monde, au nom de tous mes maîtres, je l'ai dit haut et fort que l'AVC, c'est une maladie qui est curable. L'AVC, c'est une maladie curable. Tout dépend du temps où on commence la prise en charge. Tôt on débute la prise en charge, meilleure sera la récupération. On peut faire un accident vasculaire cérébral, on peut avoir un déficit neurologique. Lorsque la prise en charge, elle est précoce, elle est bien faite dans un milieu équipé. Je vous rassure que la personne peut sortir du centre hospitalier et on ne se rend même pas compte que s'il a déjà fait un AVC. Donc, je le redis encore que l'AVC, c'est une maladie qui est curable. On peut être guéri de l'AVC sans pour autant présenter des séquelles de l'AVC. Et dans mon exercice, dans les temps que je passe dans le milieu hospitalier, j'ai vu des patients faire un AVC et sortir indemne. Vous savez, il y a ce qu'on appelle accident vasculaire ischémique transitoire, AIT, accident ischémique transitoire. C'est-à-dire, il y a un sujet qui a fait un AVC,
Il a présenté déficit neurologique et le déficit est disparu dans moins de 1 heure. Dans le temps, on parlait de 24 heures, mais actuellement, on parle de moins de 1 heure. Dans moins d'une heure, il y a la disparition des signes cliniques de son AVC. Et je pense que si vous amenez votre frère, votre soeur, votre papa, votre maman qui a fait un AVC, vous l'amenez tout dans un milieu hospitalier, avec une bonne prise en charge, il peut sortir de l'hôpital et présenter aucun signe déficitaire neurologique. Docteur, en parlant du traitement, comme vous avez dit que ça dépend des phases, donc il existe aussi une phase où dès que les patients arrivent dans cette phase-là, il ne peut plus récupérer de l'AVC, ou lui aussi peut être encore guéri. Voilà, j'étais en train de le dire, c'est que l'AVC, c'est une zone du cerveau qui est endommagée. Vous voyez ça? Les cellules du cerveau qu'on appelle les neurones sont des cellules qui aiment trop l'oxygène. Oui. C'est leur nourriture de préférence. Ils aiment l'oxygène, ils vivent de ça. Ils en ont besoin. Mais non, si vous amenez tard un sujet qui a fait un AVC, la conséquence est que les cellules du cerveau ne supportent pas un déficit en port en oxygène. Comme conséquence, il y aura une nécrose, donc une mort cellulaire. Or, dans notre corps entier, s'il y a des cellules qui ont une faible capacité régénérative, ce sont des cellules du cerveau, ce sont des cellules neuronales. C'est-à-dire, une fois elles sont détruites, il n'y aura plus de régénérescence. Comme conséquence, si cette cellule-là, c'est elle, par exemple, qui faisait la fonction de la compréhension du langage, vous voyez ça, elle est détruite, la conséquence, c'est que votre patient n'aura plus la capacité de récupérer la compréhension du langage. Il va présenter ce qu'on appelle en clinique une aphasie de Wernicke. C'est une aphasie sensorielle. Il va perdre la capacité de comprendre les langages. Donc, si vous amenez tard les sujets, il a fait des jours à la maison, vous l'amenez, ce serait compliqué pour récupérer ses patients. D'où l'importance, comme nous l'avons dit au départ, d'où l'importance de détecter précocement les signes déficitaires, les signes d'alerte de l'AVC, amener la personne dans un milieu hospitalier qui est équipé et commencer la prise en charge. Et docteur, une question par curiosité. Quels sont donc les examens demandés en cas d'AVC? Voilà, un patient qui a fait un AVC, il y a un nombre de certains, un certain bilan qu'on peut demander. Notamment, on demande les scanners cérébrales. Les scanners cérébrales, c'est un examen qui permet de voir le parenchyme cérébral. Ça permet en fait de différencier si c'est l'AVC qui est hémorragique de l'AVC qui est ischémique. Lorsqu'un AVC qui est hémorragique, c'est-à-dire il y a une rupture de vaisseau, comme conséquence, les sangs, il y aura un hématome, les sangs il y aura un sang qui va stagner au niveau du cerveau. On peut voir ça avec les scanners par une image qui est hyper dense. Et si c'est un AVC qui est ischémique, on va voir ça également avec les scanners par une lésion de hypodensité. Et à ce moment-là, ça permet au médecin d'orienter en fait sa prise en charge. Lorsqu'on sait que l'AVC est hémorragique, le traitement, c'est qu'il faut abaisser la pression artérielle à la limite de l'autorégulation cérébrale et prendre en charge les axos. À part les scanners, il y a un autre examen qu'on peut faire, un examen qui est plus mieux, qui apporte beaucoup plus des informations par rapport au scanner cérébral, c'est l'IRM cérébral. Mais ici, je vais vous dire, c'est que beaucoup de nos patients que nous recevons, je suis médecin stagiaire à l'hôpital général de Kinshasa, nous prenons en charge des patients qui ont fait des AVC, il vient, il a fait un AVC, nous le prenons en charge, il va quitter l'hôpital sans pour autant faire aucun bilan de l'imagerie médicale. Il est incapable de faire les scanners. Comment ça? Comment arriver à faire l'IRM cérébral? Pourquoi? Parce que ce sont des examens qui coûtent énormément cher. Ça demande beaucoup de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour faire l'IRM cérébral et il faut compter des établissements qui font l'IRM cérébral ou les scanners cérébraux. Il n'y en a pas beaucoup dans la ville province de Kinshasa. C'est ici que nous pouvons lancer un SOS à notre gouvernement, aux personnes de bonne volonté qui nous écoutent à ce moment. C'est que si vous avez l'argent, le domaine de la santé, c'est un bon domaine d'investissement. Nous perdons des citoyens congolais par faute de plateau technique. Le médecin congolais sont compétents, le médecin congolais sont hyper intelligents. Et nous pouvons prendre en charge les personnes qui souffrent des AVC et ces personnes peuvent quitter l'hôpital sans séquelles. Il suffit seulement de disposer
un plateau technique. Nous n'avons pas des établissements qui font des examens d'imagerie. Et des examens d'imagerie sont des examens qui coûtent énormément cher. D'où nous lançons l'appel à notre gouvernement qui nous suivent à ces moments de vouloir investir, de soutenir les établissements en leur donnant de pareils d'imagerie médicale pour réaliser les scanners et réaliser l'IRM cérébral à un prix qui sera un peu bas. Parce que j'aimerais vous dire, messieurs les journalistes, le moins des centres qui font des examens là, d'imagerie médicale, c'est-à-dire les scanners et l'IRM cérébral, c'est avec un coût qui est trop élevé. Et les citoyens congolais sont incapables de le faire. Incapables de le faire, oui. Parce que déjà, si vous regardez le revenu de notre population, c'est tellement faible. Vous voyez ça, à la fin du mois, gagne tellement faible. Quand vous avez un patient qui fait un AVC, ils vont vous dire, docteur, nous attendons le frère qui est en Europe. Il faut commencer à contribuer. Et pendant tous ces temps-là, les médecins ne savent quoi faire. Et les cellules nerveuses seront en train d'être détruites. Okay. Nous lançons un SOS à ceux qui nous suivent de vouloir contribuer dans le domaine de la santé pour une meilleure prise en charge des AVC. Je le redis encore, le médecin congolais, il est hyper intelligent, il est capable de prendre en charge un AVC. Nous avons été à la faculté pour ça. Nous avons été formés par les éminents professeurs et nous sommes à la hauteur de prendre en charge les personnes qui font des AVC. Si, bel et bien, vous nous disposez un plateau technique qui est adéquat. Voilà. Les médecins congolais sont compétents, comme l'ont indiqué les médecins stagiaires. Il est juste question de manque des plateaux techniques. Comme l'appel a déjà été fait au gouvernement congolais et au ministère de la Santé, veut offrir un meilleur plateau technique pour permettre à la population congolaise de recevoir une meilleure prise en charge en ce qui concerne l'AVC. Nous comprenons donc, chers téléspectateurs, que rien qu'avec l'AVC, nous pouvons mourir en un clin d'œil si nous ne prenons pas bien notre prise en charge. Mais docteur, comme nous sommes en train déjà de chiter ici au plateau de Pacemaker dans le cadre de notre émission La médecine pour tous, qui a été conçue pour sensibiliser la population congolaise et aussi bien même l'Afrique si possible, quel conseil pouvez-vous donner à cette population qui sont derrière cette télévision en train de nous suivre? Qu'est-ce qui peut vous retenir de cette émission comme conseil de votre part? Merci pour la question. Je crois fortement que cette émission a été concise pour la sensibilisation de notre communauté. En tant que personnel de la santé, nous avons le droit, non pas seulement de les traiter, mais également de sensibiliser pour que notre population soit à l'abri de cette pathologie grave qui est l'AVC, qui jusqu'à présent demeure un problème majeur de la santé publique au nombre des cas que nous recevons, mais aussi par rapport au coût et la prise en charge qui est tellement énorme. À cette population, j'aimerais dire que l'AVC, c'est une maladie qui est évitable. On peut s'en éviter de développer un AVC. Comment le faire? C'est en ayant une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie signifie quoi? Signifie c'est que vous devez préconiser une alimentation qui est riche en fruits et en légumes et éviter l'alimentation importée d'ailleurs. Voilà. Éviter cette alimentation qui est riche en graisse. Et beaucoup de graisse se dépose au niveau des vaisseaux et ça vous expose à développer un AVC. La deuxième des choses, vous devez également être actif. L'exercice physique fait partie de bonnes façons de se prévenir des événements cardiovasculaires. Faites l'exercice physique, les gymnases, ça vous prévient de développer un AVC. Évitez le stress parce que le stress également vous expose à développer un accident vasculaire cérébral. Si vous êtes personne qui est hypertendue ou vous êtes diabétique, parce que ce sont également des maladies qui vous exposent à développer l'AVC, nous vous conseillons de bien suivre votre prise en charge. N'arrêtez pas le médicament. Beaucoup de patients que nous recevons dans de milieux hospitaliers sont des patients qui ont arrêté leur traitement. Il est diabétique, il est hypertendu, voilà. Il a écouté un charlatan qui lui dit, voilà, on peut s'en passer, arrêter votre traitement. Et plus tard, ce sont des patients qui développent un AVC. Donc, si vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, nous allons vous conseiller de bien suivre votre traitement et puis de respecter le rendez-vous médical. Je pense que ce sont là les conseils que nous pouvons vous donner pour prévenir les AVC. Et au cas où vous remarquerez l'un des signes que nous avons dicté ici lors de cette émission par rapport aux signes d'alerte des AVC, prière d'amener aussi vite possible votre frère, votre sœur dans un milieu hospitalier pour une meilleure prise en charge. Nous voici donc à la fin de notre émission. Je commence par remercier
notre invité du jour, le médecin Sacha Augustin. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre présence. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous savons que vous avez été nombreux à nous suivre chez vous à la maison. Notre numéro est noté en bas de vos écrans. Écrivez-nous si vous avez une question. Nous n'allons pas hésiter de vous répondre. Merci à la direction technique qui m'a soutenu et qui a soutenu cette émission derrière par Luther Lupeta. Merci au directeur des programmes, à Lévy Télévision, la chaîne événementielle. Nous faisons appel aux sponsors, aux personnes de bonne volonté qui voudront soutenir cette émission par vos offres. Vous voulez faire la publicité de vos produits, cette émission à la porte grandement ouverte. Nous voici donc à la fin. Nous vous remercions beaucoup. Nous nous retrouvons la prochaine fois ici au plateau des Pacemakers dans le cadre de notre émission La médecine pour tous. À plus.